Il est 6h10, il fonce. Malheur, la salle de bain est déjà occupée. Mais c'est le passé, l'heure a tourné. Il est en retard pour aller travailler. Des minutes défilent, ça urge. Il ne sait plus bien par où il doit commencer. Mais laissez-le passer, il est à la bourre. Il a la priorité pour le petit déjeuner. Mille fois, il a dit mille fois. Qu'est-ce qui a mis la maison dans cet état? Qui s'est assis sur ses lunettes? Il n'y voit plus rien. Mille fois, plus de mille fois, qu'est-ce qui a mis la maison dans cet état? Les quatre Lego dans sa chaussette lui freinent le pas. Arrive au bureau limite, la secrétaire lui donne le mauvais dossier. Le client est parti un peu fâché. Le boss est en pétard et ne va plus l'augmenter. Enfin c'est samedi week-end, dimanche il va pouvoir enfin se reposer. Mais à 7h30, les gamins sont levés. Ils sont affamés et commencent à brailler. Mille fois, plus de mille fois, qu'est-ce qui a mis la maison dans cet état? Ces clés de voiture sont bien cachées sous le sofa. Mille fois, il a dit mille fois, qu'est-ce qui a mis la maison dans cet état? Et la fuite d'eau dans les toilettes qui ne s'arrête pas. Du lundi au samedi, le stress du businessman a une longue vie. Mais pas la sienne, bien raccourcie par les soucis. Mille fois, il a dit mille fois, qu'est-ce qui a mis la maison dans cet état? Des spaghettis sur la moquette collent au pas. Mille fois, plus de mille fois, qu'est-ce qui a mis la maison dans cet état? La porte du frigo entrouverte ne ferme pas. Voilà comment est la vie du businessman stressé à l'infini. Mais pas la sienne qui se finit aujourd'hui. Mais pas la sienne qui est finie.